C'est parti. Tac. Yes! C'est parti, let's go. Aujourd'hui, petite formation de notre Eléa. Alors, il faut savoir, Eléa, elle est en train de tout péter pour le moment. Elle vient d'arriver. Elle était déjà partie. Eléa, tu as fait quoi ici? 4%, 8%? 8%, bientôt le 12. Voilà, donc ça fait combien de temps que tu es là? Oh, ça fait une semaine et demie, je crois. Ok, donc en une semaine, les amis, elle nous pète un 8%, ce qui est vraiment génial. Eléa vendu, elle a recruté et elle a surtout compris aussi l'importance de faire des beaux montages pour parce que bah, les réseaux sociaux, c'est ça, les amis, c'est vraiment l'image. On travaille vraiment par l'image. Comme j'explique toujours, si vous avez un profil un peu négligé, bah, la personne, quand vous allez vendre des produits, elle va venir sur votre profil, elle va regarder. Bah, s'il est un peu négligé, forcément, préférer acheter chez quelqu'un qui a justement cette esthétique, etc. Et donc, ici, bah, par rapport aux produits, c'est clair net que si vous faites des affiches. Et vous mettez les produits n'importe comment, c'est trop chargé, c'est pas assez épuré, ça va pas être beau et forcément ça va pas donner envie d'acheter. Tandis qu'ici, bah, il y a agir bien le marketing et le marketing, c'est pas vendre, c'est donner envie d'acheter. Voilà la différence, les amis. Et alors, bah, Elia va nous montrer un petit peu ce qu'elle fait un peu comme montage. Vous voyez, c'est des trucs pas mal. Voilà, ici avec les fêtes des mères, elle fait un peu, elle gère un peu les images, etc. Donc voilà, c'est une formation très, 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 très intéressante. Et bah, voilà. Pour tous ceux qui veulent apprendre à faire des montages, parce que aussi, là, vous allez avoir un peu pour les produits, mais voilà, pour faire les affiches, quand vous créez une équipe et que vous devez faire des affiches voilà, pour la reconnaissance de vos équipes, bah, c'est bien de savoir gérer ce logiciel de montage qui est Canva. Bah, écoute, Elias, si tu as envie de te présenter un petit peu et de parler un petit peu avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on t'écoute, c'est parti, c'est à toi, let's go, je te donne le micro. Ben écoute, je sais pas vraiment quoi dire, mais moi je m'appelle Eléa, j'ai 18 ans et j'habite Spa. Donc je suis chez Shogun depuis une semaine et demie. Et en fait, c'est Nico qui m'a fait rentrer. Donc en fait, je voyais tout le temps ses stories et je me dis en fait, ça me tente vraiment parce que j'avais déjà acheté des produits Shogun avant, donc chez une autre personne. D'accord. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé, c'était le parfum. En fait, je n'y croyais pas trop au début, je ne vais pas te mentir. Je n'y croyais pas trop à la société Shogun parce que je me dis, ouais, ils y mettent les parfums, mais enfin, ils aspirent. Et pour moi, je m'en fous un peu, quoi, tu vois. Moi, c'est le vrai, le vrai, le vrai. Et donc, du Ouais. coup, un jour, je me suis lancée, j'ai commandé. Et D'accord. donc, du coup, ben, après, j'ai adoré. Et puis, j'ai commandé les cils magnétiques. Malheureusement, je ne sais toujours pas les mettre. J'ai essayé la technique de Krista tout à l'heure. Ça ne va toujours pas. Je Il y a ne Ilana qui a trouve fait pas un la truc là, par rapport à technique. ça. S'il te plaît. Il y a Ilana qui a fait une petite vidéo par rapport à ça. Et même Déborah aussi, elle a fait une vidéo YouTube où elle montre vraiment bien. Donc je t'en enverrai après tout à l'heure. Ça va pour les signes magnétiques. Ça va. Et donc, Mais donc, du coup, absolument. voilà, j'avais déjà acheté des produits. Et puis, après, j'ai décidé de me lancer. Et en fait, j'ai d'abord vendu sans le kit. Et en fait, j'ai bien vendu avant d'avoir le kit. Et Ouais, ok. donc, du coup, après, j'ai reçu le kit et je vendais quand même, même sans le kit. Ok, donc Et encore une fois, comme Gloria hier, c'est pas parce que vous n'avez pas le kit, ni le grand kit, et que vous avez le petit kit, ou que vous n'avez pas encore votre kit, que vous ne pouvez pas faire des ventes. Vous pouvez très bien commencer à démarrer à faire des ventes sans avoir le kit, puisqu'il y a, on a la preuve, c'est qu'elle n'avait même pas encore son kit, qu'elle a pu démarrer et faire directement des ventes, quoi, c'est ça. exactement. Super. Et donc voilà, enfin, j'ai plus vraiment rien à dire. Je Et suis toi, en train de montrer tu m'as les dit que montages. tu aimais bien le dessin. Ça aussi, ça t'a un peu aidé un peu pour les montages et tout, évidemment, je suppose. Mais en fait, ce que j'ai depuis toute petite, c'est que j'adore tout ce qui est dessin. En fait, je suis très maniaque, donc j'aime bien tout ce qui est les traits fins. J'aime bien quand c'est, tu vois, c'est très droit. D'accord. J'aime pas quand c'est tout pauvre comme ça dans la photo, etc. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai. Mais au début, j'utilisais pas les fonds blancs comme ceci. D'accord, ok. Avant, j'utilisais plus. Attends, je l'avais tantôt. Avant, j'utilisais plus ce genre de montage, tu vois. D'accord, ok, ouais. Ouais. Donc, c'était des montages déjà faits sur Canva. Et en fait, je m'énervais parce que je ne trouvais pas. Donc, par exemple, voilà, un petit Ah, c'est dessus juste, comme ça. hein. J'aime bien. Et donc, du coup, ben, Et en qu'est-ce fait, que tu as mis dessus? En fait, tu faisais quoi? C'était un appel à l'action hein, sur celle-là que tu avais mis. C'était partager dans votre story. Et c'était quoi? c'était le concours des 150 membres. Ok, donc à gagner parfois. Ok, super. Partager dans votre story avec une application. Ok. Et tu l'as fait gagner alors tu as fait un tirage au sort? Ben, je ne l'ai pas encore, c'est fin du mois.
Ah, ok. Donc voilà, les amis, c'est pas mal. Hein. Voilà, vous pouvez faire des petits concours. Bah, voilà, vous investissez un peu un parfum. Les gens sont contents de l'acheter. Surtout, bah, ça va faire grandir votre page et votre communauté. Donc, c'est pas mal du tout. Super, super. Bah, écoute, on va regarder un petit peu Donc, du coup, comment voilà. est-ce que tu vas nous faire un montage de A à Z directement avec Canva. Vous voyez, bah, ça c'est très joli. C'est très épuré, c'est très beau. Et que ce soit pour une story ou pour une publication sur vos groupes. Bah, voilà. Et au moins, c'est vous qui l'avez fait, les amis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent directement les trucs déjà faits et qui ne prennent même pas la peine d'un peu le remanier, etc. et qui balancent comme ça. Et toujours votre touche personnelle. Voilà, ça, c'est vraiment top. C'est très Et joli. aussi, j'aimerais bien montrer un petit montage que ma sœur a fait pour moi. Donc voilà, elle a fait ça aussi. Ouais, la gamme name, Elle ça, c'est m'a. très, très joli. Ça, j'adore. Avec le petit truc en opacité et tout, c'est chouette. C'est très joli. Elle m'a un peu demandé de l'aide parce qu'elle ne savait pas Non, trop c'est chouette. comment faire. Elle n'arrivait pas à placer les produits, donc je l'ai un peu aidée. Mais sinon, la base, c'est elle qui a fait. Ouais, ok, génial. Franchement, c'est très joli. Et tout ça avec ton téléphone. Alors, hein, qu'on se dise back, t'as pas, t'es pas Exactement. regardé. Donc, tout est fait sur le téléphone, les amis. Donc, il n'y a pas d'excuse. Là, encore une fois, elle nous montre voilà, que c'est possible hein, de faire ça avec le téléphone. Ah non, c'est un truc que je déteste, c'est travailler sur l'ordi. Vrai? C'est le téléphone, sinon laisse tomber. Ok. Bah, écoute, ouais. Chacun ses Donc préférences. voilà. Ok, super. Allez, c'est parti, tu nous montres un petit peu un montage. Oui, hein. Donc alors pour commencer, déjà, je vais sur l'application Shogun Ouais. et je screen tout ce que j'ai besoin. Ok. Donc Voilà, première étape, tout les ce que j'ai amis, besoin, on je va screen screen. et on va screen. Qu'est-ce que tu vas Donc mettre? après. Du coup, j'ai tout dans ma story. Donc voilà, j'ai les screens Ouais, ok. de ce que je vais faire. Et puis, donc je vais refaire le montage aloe vera parce qu'il m'a bien plu. J'ai bien aimé. Donc, Allez, c'est donc. parti, let's go pour le montage aloe vera ce soir. On va avoir de l'aloe vera, les amis, après ce zoom, c'est sûr. Allez, c'est parti. Donc après, je vais soit. En fait, j'ai deux applications que j'utilise le plus, c'est Story Art et Canva. Mais maintenant, Ouais. j'utilise plus Canva parce que Story Art, tu dois payer en fait. Donc du D'accord. coup, j'utilise plus Canva. Ouais. Je vais sur Canva. Et puis, soit je choisis des exemples qu'il y a déjà là. Donc, on peut Ouais. tout voir là. Mais le problème, c'est que si on a plusieurs photos, c'est compliqué de trouver. C'est compliqué de trouver tout simplement le nombre de photos qu'on veut placer, en fait. OK. Donc, depuis que Marvin m'a expliqué comment utiliser le fond blanc, je le fais. OK, ça va, c'est cool. Donc, après, j'appuie sur le petit plus. Donc, ça, c'est pour les fonds blancs. Je mets Ouais. dimension personnalisée. Je change bien en centimètres, toujours en centimètres. D'accord. Je mets souvent, c'est 30 de largeur et 40 de hauteur. Ouais. Je mets créer le design. OK. Puis, en fait, là, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi, chaque fois que j'appuyais, par exemple, j'appuyais sur le plus, je mettais image et je choisissais l'image que j'avais envie, en fait. D'accord. Donc, je choisissais l'image et en fait, après, je rappuyais directement sur l'image, sur une autre image. Ouais. Et donc, du coup, il n'y a pas l'autre image, il n'y en a qu'une. Et donc, après, moi, je rappuie chaque fois sur le plus, je mets l'image, je choisis les articles que je veux. Donc, voilà, celui-là, je vais Ouais. supprimer. Alors, donc, je choisis chaque fois. OK. Alors. Hop. Donc, une fois que j'ai les quatre photos, Ouais. j'appuie deux fois dessus, Ouais. je zoome sur l'article. Ah ouais. Soit ça va se. Donc, quand on zoome, soit ça se remet plus ou moins comme ça, soit je garde mes doigts dessus et en même temps je mets terminé. Donc, voilà. Puis OK. après, je choisis La dimension, ouais, la l'emplacement. dimension. Je fais pareil avec toutes les photos. Ouais, pour vraiment avoir Voilà. vraiment que le fond blanc. Hein. Ça, les amis, c'est pour toi. Comme ça fait vraiment une image bien épurée quoi, du truc. Voilà, chaque fois. Ouais, ok, cool. Donc, surtout pas aller dans la galerie et renier déjà les photos d'avance, sinon ça va faire un fond blanc et encore plus long et donc du coup on ne saura pas superposer les photos. Donc D'accord, ça. ok. Donc après, je les place comme je le souhaite, je les tourne. Ouais. Voilà. Puis, enfin, je sais pas trop, je sais pas comment je vais faire ça. Voilà. Allez, bah t'improvises alors. Comment est-ce que tu vas nous faire ça? Alors, en fait, vu que là, les images sont un peu grandes, quand on la met comme ça va sur l'autre image, en fait. Ouais, Donc, du ok. coup, j'essaye de les Ouais, mettre. c'est ça. D'accord. Voilà.
Alors aussi, ce qu'on peut faire, si on veut superposer la photo, donc si on veut mettre fond derrière, on peut mettre plus l'image. Et en fait, on appuie sur la petite, ici au-dessus, les deux petits carrés. Et donc, du coup, ça va la Ah ouais, mettre en ça va, avant. ouais, ok, ça va, ouais, ça fait une copie, d'accord, ça va. On supprime l'autre et puis on peut le placer. Donc là, il sera devant l'autre, par exemple. Ok, ouais. Donc voilà, je vais bien les replacer parce que j'aime pas. D'accord. Quand je t'ai dit que j'aimais pas, j'aime pas. Ok, cool. Alors voilà, donc en fait, après, ce que je fais, j'appuie sur le plus et je mets illustration. D'accord. Puis là, je tape par exemple Aloe Vera. Et puis, je cherche l'image qui me plaît. Donc, celle qui me plaît le plus. Voilà, par exemple, celle-là. Et je la mets où je veux. Je la place. Comme ça. Et puis, ce que j'aime bien faire aussi, c'est ma petite touche personnelle, on va dire, c'est mettre une ligne au-dessus. Donc, on met ligne. Ouais. En fait, chaque fois qu'on veut un petit sticker, on tape ce qu'on veut. Ouais. Et puis, on trouve. Par exemple, argan, tu peux faire pareil. Les Bah, danettes, par d'escargot exemple, avec un petit un escargot, petit par âne ou exemple. quoi. Oui, exactement, un petit âne pour le lait d'ânesse ou quoi. Donc Ouais. là, je Bah, ouais. choisis. C'est ça, les amis. Donc, toujours essayer de trouver un truc qui est dans le thème et tout. Voilà, une petite image, un petit truc sympa. Par exemple, les danaises, bah, vous mettez un petit âne, comme Elia l'a dit, ça peut être cool. Et voilà, ça met un petit côté décalé, un petit côté fun. Et justement, ça attire les yeux. Donc, c'est cool. Donc par exemple, si on veut d'autres lignes, moi je mets ligne avec un S, j'essaye un peu tout. Ok. Donc celle-là, par exemple, j'aime bien. Et puis je change la couleur. Ok. Je mets le noir. J'aime Ouais. bien le noir. Donc le noir et le vert, D'accord. je trouve que c'est beau. Voilà, bref, on s'en fout. Ouais. Je le place toujours au-dessus. Ouais. Attendez, je bois un petit coup parce que. Donc je le place toujours au-dessus. Et puis, attendez, je vais bien replacer. Puis après, je mets texte. Et là, on a déjà des textes qui sont déjà donnés en fait. Donc, par exemple, celui-là reste toujours mon préféré. Donc, je clique dessus. Et puis après, pour changer le texte, j'appuie deux fois. Et là, je mets le nom de mon groupe ou ce que vous voulez. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque montage, je mets toujours mon groupe. Comme ça, on ne prend pas mes montages. Et si maintenant quelqu'un veut prendre mon montage, il vient me trouver. Et je change avec son nom ou quoi, tu vois. Ouais, génial, t'as Donc, raison. par exemple, pack découverte, on va mettre de poids aloe vera. On va mettre ça. Super bon. Voilà. Et puis en dessous, moi, je mets toujours la description. Donc, par exemple, s'il y a un shampoing, ben, je mets un shampoing. Puis, s'il y a un bad bush, je mets un bad bush. Bref, donc on continue chaque fois. Je mets toujours la description. Ouais. Je vais mettre trois petits points comme ça, vous voyez. Donc voilà, moi je mets toujours la description, puis je choisis la place où je veux le mettre. Donc celle-là, elle est mal mise. Ok, ouais. Ah, c'est un truc que je déteste. Quand c'est Ah, mal mis. ça c'est bien, c'est joli, c'est joli. Voilà, ouais, ok, un petit peu, ouais, nickel. Voilà. Et Ouais. puis, en fait, le problème, c'est que ça ne s'enregistre pas toujours. Donc, si on choisit, par exemple, la petite photo avec l'aloe vera là, des fois, il y a des photos qui sont payantes, des illustrations qui sont payantes. Voilà, c'est pour ça Donc, que du vous avez coup, le petit canevas en fait écrit, c'est pour ça, parce que c'est une payante. Ouais. ouais, et donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je screen. Voilà. Je sais que ce n'est pas bien. Je screen, je vais dans ma galerie. Hop. Et puis, je fais modifier, je recoupe. Voilà. Et puis voilà, j'ai mon montage. Ouais, super, super, c'est nickel. Franchement, c'est joli. Les amis, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça donne pas envie d'acheter la ligne Aloe Vera? Moi, franchement, je n'étais pas chez moi, je l'aurais acheté, ça c'est sûr. Non, franchement, c'est top, c'est très joli, génial. Donc voilà, simple, précis, franchement, concis et c'est super. Bah écoute, génial. Et allez, allez, repartez, nous en faisons un, mais c'est cadeau. Allez, allez, go, vas-y! Attends, il faut que je retrouve les photos parce que j'en ai pris tantôt. Mais vu que j'ai mes lunettes là, c'est un peu chaud. Qu'est-ce que Ah, tu peux voilà. nous faire? On part Donc sur la crème les de crèmes de corps. corps, ouais. Allez, c'est parti. On va mettre un beau body alors. Alors,
Et vous voyez, les amis, c'est pas mal hein, quand vous faites vos petits montages comme ça. Alors oui, c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué à prendre en main, mais vous allez voir, vous allez vite prendre goût. Et surtout, bah, votre page, elle va vraiment être à votre image parce qu'on fait souvent des montages comme on aime bien. Et c'est sûr et certain que si vous faites des beaux petits montages et tout, bah, ce sera mieux qu'une bête image mise sur le groupe avec un petit texte. Là, vraiment, vous êtes tous sur une image. Et moi, je trouve ça vraiment joli. En tout cas, ça attire beaucoup plus l'œil. C'est bien. Franchement, c'est top. Donc, n'hésitez pas. Et c'est gratuit, Canva. Hein. C'est gratuit, les amis. Donc, c'est cool. Je regarde un petit peu les commentaires en attendant que tu fasses. Alors, mais ce que j'aime bien, moi, c'est que je mets toujours mes produits sur la gauche. Comme ça, je mets mon texte sur la droite. Yes, toujours. Super. Donc, voilà, encore Nico qui nous dit que moi, je n'ai jamais utilisé mon kit pour vendre. Donc, voilà, encore une fois, les amis, ici avec Canva, avec un beau petit montage, regardez les crèmes de corps. Il n'y a pas besoin d'un kit pour les faire sentir. Donc, voilà, vous pouvez aussi très, très bien les vendre. Alors, Guerline. Ah oui, Guerline aussi nous fait des très jolis montages aussi. C'est juste, elle fait aussi des beaux trucs et tout. Donc, voilà, ça, c'est cool. Et en plus, bah, voilà, c'est ce qui est bien, c'est qu'elle sait faire les montages, mais elle est comme là pour regarder. Donc, ça, c'est cool, Guerline, c'est chouette. Sébastien, tu déchires grave, Eléa. Bah, je te lis un peu les commentaires comme ça. Merci. Elle est trop mignonne. Ah, c'est top. Oh là là, flamme, 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 flamme. Top, flamme, 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 flamme. Trop, trop beau. Des flammes encore. Nicolas, je suis fier de toi, top. Ilana, magnifique. Muriel, top vraiment. Ta frangine, aïe, 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 comment t'as géré. Tina, ça a l'air… Ah merde, il vient de partir là. Ça a l'air plus simple sur le tel que sur l'ordi. Alors oui et non. Moi, par exemple, personnellement, je préfère travailler sur l'ordi parce que j'ai une meilleure ergonomie. Mais c'est vrai que sur le téléphone, voilà, il y en a qui savent. Bah, ici, bah, Ilana, c'est très, très bien à le faire. Donc, c'est un peu comme vous voulez, si vous préférez sur le téléphone ou vous préférez sur l'ordinateur. Voilà, Manu Yaman, il nous dit que c'est super cool. Christa, bravo Eléa. Canva, c'est le plus simple. Tu évolues de jour en jour, tu peux être fier de toi. Yes, de tonton Nicolas, de parrain Nicolas. Alors, mon kit, souvent, sans mon kit. Donc voilà, Muriel aussi, bah, pareil, avant son kit. Guerline, j'adore les astuces, ça aide aussi. Super, des flammes encore. Eléa, y a-t-il possibilité de faire des albums sur un GSM pour retrouver directement les photos des produits Shogun? Voilà, est-ce que c'est possible de faire un album ou est-ce que toi, tu ne fais pas d'album? Alors, moi, au départ, je ne faisais pas d'album. Puis après, je me suis dit, bah, écoute, avec toutes les photos que j'ai de Shogun, regarde, j'ai un max de trucs de Shogun. Ouais, ouais. Donc, du coup, je me dis, ce serait peut-être bien que je fasse un album. Donc, du ok, coup, bah, écoute, oui, il y a possibilité de faire un album. Alors, magnifique, Christa. Moi, je déteste Canva sur le tel, lol. Bah ouais, je comprends. Moi aussi, pareil. Hein, c'est un peu plus compliqué. Sur le système, c'est intuitif. Tu as beaucoup moins de possibilités, mais tu gères, Léa. Voilà, bah, super. Bah, écoute, c'est des très beaux commentaires. Voilà. Attends, je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, Attends. Il y a peut-être une question. Attends, je vais activer le micro. Moi, je ne vois rien. Donc, Bah, écoute, Muriel, si tu veux, tu peux activer ton micro et tu peux poser ta question alors, comme tu as levé la main. Ou l'écrire dans le chat. Je ne sais pas si tu arrives à activer ton micro. Attends, je regarde dans le chat si elle est écrite. Je refais pendant ce temps-là. Vas-y, je te l'ai géré. Bonsoir tout le monde, c'était une erreur en fait. Ah, ok. Bah, désolée, c'est la troisième fois pour le Zoom, donc voilà, vraiment pardon. Ouais, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. De toute façon, on répondra aux questions à la fin s'il faut. Allez, j'abaisse la main. Merci. Vas-y. On continue. Et donc voilà, donc ici on est sur les crèmes de corps. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors là, je suis professionnel, les amis. J'ai carrément mis la petite conversation sur le côté. J'ai tout ce qu'il faut. Donc là, je suis au top. Alors, Muriel, trop mignonne. Là, j'aime beaucoup. C'est fresh. C'est fresh to death. C'est bon, Elias. Ça, c'est top. Alors, ah oui, c'est très joli aussi. Chouette, chouette, chouette. Ok. Cool. Ah, donc Shogun, Team Elia, ça c'est pas mal. Ouais, au passage, si vous voulez aller dans mon groupe, allez-y. Voilà, c'est ça. Allez aussi sur le groupe de ma sœur, c'est Shogun Team Mila, comme ça, vu qu'il lui manque des mobs pour son concours. Allez-y. Okay, allez, on va aller jouer au concours. J'espère que je vais gagner. Hein. Tac, ok. Nico, je fais pareil que toi. Hein, conversation sur le côté. Ah bah ouais, t'as vu, on est là. Là, on gère bien, là. Au top. Là, les amis, on n'aura plus d'excuses à faire des. Bon, là, on devra faire des beaux montages. Là, on a un truc vraiment pas mal. Hop, elle remodifie. Tac.
J'ai fait une avec le cercle et une sans cercle, comme ça. Super. Et alors, tes montages, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu utilises sur le groupe, sur les stories? Le nom de l'application sur l'ordi, c'est toujours Canva. Canva.com, que ce soit sur une application, l'ordi, c'est Canva. Voilà, c'est ça, Canva. Je le montre à la caméra. Hop, on le voit? Voilà, Canva. Voilà, les amis. Alors, Elia, qu'est-ce que tu fais alors une fois que que c'est fait, en fait? Qu'est-ce que tu en fais? Ah bah voilà, on voit quand même le design, c'est plutôt pas mal, hein, c'est très joli. Bah par exemple, ici, j'ai fait, bon, je ne sais pas cacher malheureusement, mais il y a avec mon numéro de compte de banque, comme ça, j'envoie ça aux personnes, à mes clients, tout simplement. Puis, en fait, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je mets d'abord sur mon groupe Facebook et dans ma story. Donc, story Insta, story Snap et story Facebook. Tout le monde va me dire, oui, c'est beaucoup et tout, mais non, franchement, ça va très bien. Et je le vois bien que j'ai énormément de clients. Par exemple, j'ai fait ça aussi pour Camille. Ah, c'est très joli, ouais. C'est très joli, ouais. Et sinon, je vais montrer aussi avec un montage avec ça derrière, comme ça, je montre aussi. Donc, du coup, je les mets dans toutes mes stories. Puis, je mets dans mon groupe Facebook, je mets sur mon compte Instagram et je mets aussi sur mon profil privé Facebook. Donc, okay, privé, vous avez compris quoi. En story ou en publication? En publication. Ok, cool. Ok. Donc voilà, mais les stories, tu nous dis bien que oui, on sait vendre vraiment encore sur les stories et tout, tu sais vendre en story. Hein. C'est ça, une fois que tu mets ta carte de commande, etc. Ok, c'est cool. Alors, aussi, ce qu'on peut faire, c'est chercher, par exemple, si on veut faire une publication Facebook ou une publication Instagram, on peut chercher ici, on met publication Facebook et ils vont donner des exemples. Donc, on peut utiliser les exemples pour le début. Maintenant, si on a énormément de photos, je vous conseille de faire sur le blanc parce que énormément de photos, on ne sait pas toutes les placer. Ouais, puis je trouve que c'est plus épuré aussi, c'est plus joli, je trouve, tu vois, en blanc, il y a un beau, tu vois, ça fait plus propre, ouais, on pourrait dire, ouais. Celui-là me tente. Alors, je vais mettre... Alors, c'est tout au début. Voilà, donc là, je choisis une photo que j'aime bien. Comment faire un montage, je lui enverrai cette vidéo. Bah, écoute, ouais, hein, là, je pense qu'Elia a vraiment fait le top. Et canon de Gueline. Super. Voilà, par exemple, celui-là. Ouais. Et dessus, je mets mon groupe comme ça. Et Léa. Donc aussi on peut enlever, enfin on peut changer la taille. Ok. Ça. Et puis on rechange, on le place où on veut. Est-ce que tu mettrais pas une petite opacité derrière, tu vois, l'image comme ça, toi, le texte ressortira un petit peu plus. Attends, je vais voir ce que j'ai. Ah, voilà. Ouais, Shogun. En tout cas, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt cool. Hein. Il y en a vraiment les bases là, pour faire vraiment quelque chose de pas mal. C'est chouette. Tu l'as ? Ouais, c'est joli ça. Hein. Voilà. Merci le texte. Et voilà. Et puis je. Attends, on t'entend plus. Les aléas directs, les amis, on ne l'entend plus. Bon, ok, bon, en attendant qu'elle reprenne son micro, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elia, on ne t'entend plus. Bon, je vais continuer, je vais regarder ce qu'elle fait, je vais répondre en même temps. Je ne sais pas si elle est toujours là. Bon, est-ce que vous l'entendez? Non, on ne l'entend plus. Ok. Bon, bah, je vais m'occuper de ça alors. On va regarder un peu. Bon, les amis, alors on continue. Comme vous avez pu le voir, on pourra faire vraiment des très très beaux montages alors avec cette application. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va regarder un petit peu, Elia, quel est le souci. J'espère que ce n'est pas son GSM qui a planté. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense pas. Ah bah voilà, là voilà, elle revient en force. À mon avis, un petit souci. Alors Léa, qu'est-ce qui se passe? Que tu nous entends? 1 2 1 2, test micro. Est-ce qu'Léa Sorry. J'ai eu un petit souci. Oui, on a remarqué. Je ne vous entendais plus du tout. On a remarqué, ça va. Bah écoute, je regarde sur lequel tu es et bah écoute, tu pourras mettre. T'es sur quoi là? Sur l'ordi ou sur le GSM toujours?
que t'as, le GFM, toujours. Ok, bah vas-y, bah continue alors. Alors, à toi. Je te rends le micro. Ben, je sais pas. Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran. Ah ouais, parce que t'es connecté là déjà. Oh, bordel, ça m'énerve. Bon, les amis, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Je vais m'occuper des questions pendant que Eléa règle son problème technique. Attends. Déconnecter le son, c'est pas ça. Ok, ok. Alors, on regarde un petit peu. Bon, les amis, est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce que le meilleur, c'est Photoshop? Ouais, c'est vrai, mais bon, Photoshop, c'est payant. Et franchement, c'est plus facile d'utilisation, c'est plus simple Canva, tu vois, pour les trucs qu'on fait. Tu vois, le Photoshop, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, il faut quand même avoir des belles petites notions. J'ai demandé tout à l'heure. À quelqu'un sur le groupe, parce qu'en fait, j'aurais bien voulu mettre pas de fond derrière, tu vois, le fond blanc, par exemple. Genre, sur le produit, ne pas mettre de fond au-dessus pour mettre en fond, c'est pas français ce que je dis, pour après coller une image derrière et pouvoir voir juste le contour du produit. Et il y a tout le monde qui m'a dit « Ah, c'est Photoshop », mais le problème, c'est que Photoshop est payant. Ouais, donc, Photoshop est payant, c'est un peu plus compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire, genre une ombre autour du produit, quoi. Exactement. Ok, alors Lauriana ici, bah, pour changer le fond, c'est simple, tu appuies sur le truc et tu l'enlèves, en fait, tout simplement pour changer. Je peux me permettre une super mise de… Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, vas-y. Oui, pour le... Il y a un Photoshop qui n'est pas payant ici sur iPhone pour détourer les objets. Je vais me permettre de faire la petite... ici, je vais faire un screenshot et je vais l'envoyer. Je ne sais pas si on s'est envoyé dans le chat. Je crois, je ne sais pas. Non, j'ai déjà essayé. Je vais t'envoyer alors, ma belle. Je vais t'envoyer l'application. C'est remove.bg, non? Comment? C'est remove, là. Remove.bg, non? Non, attends. Je vais une fois voir dans mes... J'en ai 25 000 ici d'appli. Il faut utiliser tout simplement... Attends, dans les 40 000, ce truc. J'ai un bloc-notes à côté. Il y a un Photoshop. Le Photoshop Mix n'est pas payant. Hein. Sur iPhone, le Photoshop Mix n'est pas payant et tu sais détourer les objets très facilement. Non, bah écoute, il y a plein de petites formations. Je l'installerai, je verrai ça. Totalement gratuit et... Enfin, moi, j'utilise 10 ou 15 applications, ça dépend pourquoi. Et toi, tu fais des très beaux montages, tu vas kiffer. Bref, voilà. Je te remercie. Merci. Merci. Voilà. Merci pour l'intervention, Gwenaline, c'est cool. Avec plaisir. Marvin, je suis arrivée. C'est magnifique. Bah, je ne sais pas ce que vous voulez voir d'autre. Bah, nous, quand c'est bon, c'est bon. Enfin, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, est-ce que vous voulez voir d'autres trucs? Dites-nous, hein, c'est le moment, c'est l'instant. Là, par exemple, aussi, j'ai fait ça. J'ai fait une promo avec… voilà. Mais on ne voit pas les… Voilà. Ben, si, ah ouais, ça, c'est très joli aussi. J'aime bien. Donc, OK, voilà. On finira avec ça alors, hein, de toute façon. Les promos. Bah, voilà. Pourquoi les promos? Pourquoi faire une promo? Pardon, pourquoi toi, tu fais des promos? Et voilà. Bah, écoute, les applications utiles qui peuvent aider. Ici, on a Canva. Canva, c'est le top. Et Shogun, hein, pour reprendre les produits. Faire les captures quand on le voit. De toute façon, elle est enregistrée la formation. Je la mettrai aussi à mon avis sur ma chaîne YouTube parce que c'est plutôt cool. Et une formation pour les montages vidéo. Ça, j'ai eu ça tout à l'heure. Tac, tac, tac. Les montages vidéo, les gars, ouais. Pourquoi pas? On peut regarder. C'est un peu plus complexe parce que c'est la vidéo dans quel sens? Pourquoi en fait? Tu peux mettre en commentaire dans quel but de faire une vidéo? Alors, la promo, écoutez, les amis, on va voir pourquoi. Pourquoi, Léa, tu fais des promos? Parce que, en fait, j'ai fait ma toute première promo, c'était le dentifrice au charbon. Attendez, je vais trouver le montage. Ouais. Et en fait, ça a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais quand je dis beaucoup, ça a super marché. Enfin, ça a bien marché. Ça a super marché, c'est pas français. Mais ça a très, très bien marché. Oui. Voilà, c'est celui-là. Et ma sœur a repris aussi le même montage et chez elle, ça a marché aussi. Ok, donc promo, ça fonctionne les amis. Donc voilà pourquoi, je te pose la question, je sais pourquoi ça fonctionne, mais voilà, je te pose un peu la question pour avoir ton avis. Donc voilà, promo flash valable uniquement aujourd'hui jusqu'à 22h. Donc là en fait, on a, vas-y, remets-la un petit peu.
Voilà. Alors, donc voilà, Bunning mange que 22 euros. Donc voilà, on crée l'urgence. Déjà, c'est un peu exclusif. On a on a la possibilité d'avoir une promo, ok. Mais seulement valable jusqu'à 22 heures. Donc, on va se dépêcher d'aller chercher ton glace. Ça va permettre d'avoir vraiment plus de commandes. Donc, un dentifrice au charbon acheté égale un dentifrice blanchissant à moins 50%. Donc, c'est très, 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 très intéressant, les amis. Voilà, on achète un dentifrice, on a le blanchissant à 50%. Donc, forcément, ça donne plus envie d'acheter. Voilà, tout simplement. La vidéo fait une présentation d'affaires, une présentation de produits, savoir comment maîtriser l'outil. Ok, bah écoute, je ne sais pas si tu es sur Mac ou sur PC pour les montages vidéo. Sur Mac, je pourrais un peu t'indiquer ce que j'utilise. PC. Bah écoute, PC. De toute façon, envoie-moi un message privé tout à l'heure, on discutera de ça. Et par exemple, aussi tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, j'ai fait des packs Fête des Mères. Ouais. Donc, attendez, okay. Je vais vous les montrer. Donc, ça, c'est le pack Les Danesses pour la Fête des Mères. Ouais, ok, avec le petit âne encore une fois, donc vous voyez, c'est plutôt cool. J'ai fait aussi. Ça, c'est pas Fête des Mères. T'as fait des ça, pères aussi, non fait... Ouais, j'ai fait des Fête des Mères, Fête des Pères. Et en fait, j'ai mis comme publication, ben voilà, si aujourd'hui vous achetez, ben, si vous achetez un pack Fête des Mères, vous avez moins 20% sur votre commande. Ok, ouais. Vous passez commande aujourd'hui, vous avez moins 10% et valable qu'aujourd'hui, tu vois. Et ça, franchement, ça a fonctionné de feu. De feu. De ouais, feu. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ben, j'ai fait le lot Fête des Mères, j'ai fait le lot anniversaire, donc j'ai fait le lot Fête des Pères. Super. J'en avais d'autres. Donc, ouais, oui, ça va gonfler votre panier, en fait, tout simplement. Et en fait, vous ne perdez rien, hein, parce que oui, vous n'allez pas gagner d'argent sur le troisième article, mais au final. Vous ne mettez rien, vous ne perdez rien, vous fidélisez aussi vos clients parce que quelqu'un qui achète des produits et qui est content des produits, ben forcément la prochaine fois achètera les trois directement, tout simplement. Ben, par exemple, j'ai fait celui-là aussi. Il est ouais, tout simple, hein, mais ouais, tout simple, ça a ouais. Ouais. Donc voilà, encore une fois, les amis, le parfum accompagné du gel douche parfumé et de la crème de corps à l'huile d'argan aussi, hein, donc parfumé à l'huile d'argan, donc c'est très très bien. Donc voilà, enfin, moi j'ai fini, je ne sais pas. C'est très propre. Bah, écoutez les amis, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions tant qu'on y est pour répondre aux questions. Hop, voilà. Merci, Léa. Super. Bah, écoute, moi je vais couper l'enregistrement de toute façon, on va regarder un petit peu les questions. En tout cas, merci à toi, c'était vraiment génial, tu as vraiment fait un super boulot de nous partager avec ça. Plaisir. Donc ça c'est vraiment cool, ça fait super plaisir. Voilà, là, tu reçois des merci, Léa. Merci, Léa. Merci beaucoup, Léa. Merci, Léa. T'es top. Merci, Léa. Donc, voilà. Là, avec c'est plaisir. Super bien. Super bien. Génial. Bon, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est Gerlin. J'aimerais bien la voir en montage. Ah, en ben, zoom. Elle fait des trucs pas mal du tout. Bon, voilà, je vais couper l'enregistrement et puis on